Thierry, j'ai 33 ans, menuisier charpentier de formation. En 2008, j'ai créé l'entreprise Bayer Construction Bois, qui est basée à Dossenheim sur Zinzel. À partir de la création de l'entreprise en 2008, on a pris le parti de faire des bâtiments le plus économes possible en énergie. Dès le début, j'ai travaillé avec donc Benjamin Krieg, qui s'occupe de la certification des fenêtres en Allemagne, pour travailler dans le bon sens, c'est optimiser aux endroits où c'est où on peut encore gratter les petits chiffres derrière la virgule qui font qu'on arrive à une fenêtre certifiée par l'Institut de la Maison Passive. La fenêtre, elle était faite dans le but d'une optimisation thermique de l'enveloppe du bâtiment. On arrive très facilement à faire 30, 35, 40 cm d'isolation dans les murs. Par contre, le point faible d'une maison, c'est les fenêtres. Et une fenêtre est 5 à 6 fois moins efficace qu'une paroi de mur. Donc le but, c'était de diminuer le cadre pour améliorer la qualité thermique et la rendre plus compétitive par la façon de faire. C'est un peu une fenêtre européenne, vu que les joints que j'ai utilisés sont français, le vitrage est d'origine suisse, le bois vient de forêt noire. Et l'ensemble est assemblé pour l'instant dans mon atelier chez moi, étant donné que c'est la série prototype pour notre bâtiment à nous. Mais à l'avenir, c'est après, on verra comment ça évolue. L'avantage que je pourrais avoir par rapport à un autre qui est que charpentier ou que menuisier ou que ébéniste. Dans le cadre de fenêtre, il y a des profilés en fibre de verre. Le vitrage est assemblé par collage. Un menuisier qui a fait de la fenêtre depuis X années va pas forcément faire l'addition des différents matériaux pour arriver à un résultat. Donc ça, c'est un peu la richesse de tous les du parcours que j'ai eu pour arriver à ce résultat.